Nous sommes au Palais Cinéma à Bruxelles. Ici, présentement, se tient la présentation d'un livre écrit par une dame qui se démarque depuis un certain moment. Christelle Nadia Fozzo est écrivaine. De par son nom, qui est lié également au patronyme de son père, qui est l'un des plus grands géants hommes d'affaires d'Afrique et du Cameroun, elle a effectué un brillant parcours en ayant obtenu son diplôme, son doctorat en droit à l'université de Washington DC. Elle a préféré écrire, écrire pour parler des mots, écrire pour parler d'elle, écrire pour un certain ressenti, mais pour évoquer également des sujets de société. Après avoir écrit un premier ouvrage, L'empreinte des choses brisées, aujourd'hui, elle vient à Bruxelles pour nous présenter son deuxième ouvrage. Il s'intitule Défiguré. Défiguré est un mélange. Comme elle le dit dans son ouvrage, dans le début, elle dit que le roman est carnassier. Carnassier, c'est de la chair, mais de la chair dans de l'écriture. Il est écrit avec de la chair, mais cette chair littéraire qui dit, qui décrit les mots de société, qui parle des situations qui sont assez quotidiennes, propres à nous, des situations notamment concernant la jouissance, concernant l'héritage, concernant également Banjoun. Elle évoque son langue de bois avec une écriture qui est propre à elle. Oui, une jouissance de courte durée, mais également mémorable, tout comme cet ouvrage qu'elle vient de publier, mesdames et messieurs. Nous l'avons rencontrée, nous avons discuté avec elle, évoqué quelques petites questions avec elle, et moi je ne vous en dis pas plus. On se dit à tout de suite. De la frontière entre le droit et la littérature, pour notre invitée, il n'y a pas une grande limite. Nous la recevons aujourd'hui parce qu'elle présente son livre aujourd'hui, son livre qui est intitulé « Défiguré ». Pourquoi défiguré ? Nous en saurons avec elle. Elle nous expliquera, elle nous dira quelle est sa conception des choses. Elle est avec nous ici. Maître Christelle Nadia Fozzo, bonjour. Bonjour. Alors, moi j'ai envie de vous dire, défiguré, qu'est-ce qui est défiguré en fait ? Qu'est-ce qui est défiguré ? Moi, je suis de ce moi, le monde d'où je viens, je pense que la vie est défigurée. Je pense que je viens d'un monde violent. J'ai eu une année fracassante et cette année, ce monde-là a laissé des séquelles dont je suis défigurée. Mais vous évoquez plusieurs sujets dans votre... Est-ce que ce n'est pas votre histoire que vous êtes en train de décrire? Est-ce que ce n'est pas un ressenti vis-à-vis d'un mal que vous traînez depuis votre premier ouvrage jusqu'à celui-ci? C'est exactement ça. Je ne pourrais pas dire non par rapport à ça. Je pense que oui, c'est un ressenti, mais ce n'est pas que du ressenti. Je veux dire, je ne suis pas juste dans la contemplation de moi. Il y a beaucoup de gens qui vous parlent du monde, qui vous parlent de l'Afrique, qui vous parlent du Cameroun, de Banjoun, du Congo, qui vous parlent de... Moi, je vous parle de moi, vous parlez du monde. Vous parlez de l'Afrique, du Cameroun, du Congo, de Banjoun. Donc, en dépit du fait que ce soit mon ressenti, il n'est pas juste compressé, c'est une vision ouverte. Oui, c'est mon histoire, mais je sais que c'est une histoire universelle. Alors, vous l'avez écrit, je crois, dans le groupe, dans le livre, vous l'avez dit dans le début qu'un ouvrage, un roman, c'est carnassier. C'est une portion de votre chair qui est à l'intérieur parce que vous l'écrivez. Moi, j'ai envie de savoir, est-ce que vous ne faites pas un règlement de compte avec des gens qui vous ont quand même offensé, des gens qui vous ont abandonné ? Non, je n'aime pas le terme règlement de compte. Je pense que c'est très péjoratif et c'est très réducteur. Oui, je dis ce que j'éprouve. Mais il n'y a pas, comment dire, y a loin de moi cette envie de blesser. Je suis au-delà de ça. Je parle de mon sentiment et je ne me dis pas « Oh là là, qu'est-ce que j'ai frappé ?» Je me dis « J'ai exprimé ce que j'ai fait. J'espère que je l'ai exprimé de la manière la plus belle possible en faisant en sorte que les gens qui liront le bouquin seront oui choqués, oui blessés, oui agacés, oui en colère, mais ils ne se diront jamais « Ah, ce n'est qu'un argument de compte. » Non. J'aime beaucoup cette expression où on dit qu'en général, ce sont les choses les plus détestables qui font de la bonne littérature. Donc, oui, ce livre n'est pas lisse. Ce n'est pas pour les gens qui aiment Daniel Steele ou qui regardent les Kardashians ou qui veulent des choses qui sont polissées. Non, ne lisez pas. C'est des gens qui veulent du brut, qui veulent quelqu'un qui arrive à se dépasser en dépit des blessures qu'elle a. Je parle de mes blessures, mais je ne fais pas que me regarder dans un miroir. Je dis, oui, quand je vois, voici ce que j'ai vécu, mon miroir me ramène à ça. Mais
je fais le choix de développer, de ne pas juste de sortir de moi, voilà, et de penser contre moi-même. Alors, vous portez un nom qui est très connu, qui est très lié à votre père, notamment. Moi, j'ai envie de savoir comment vous vivez cette partie qui est due à la notoriété du nom de votre père, mais aussi cette autre partie qui est votre, parce que vous vous êtes battu. Vous avez vraiment battu un long sentier, vous vous êtes démarqué, vous êtes docteur en droit, obtenu à l'université de Washington, et vous êtes également au barreau de Bruxelles, et en plus de ça, vous êtes littéraire. Moi, j'aimerais savoir comment vous conciliez les deux, parce que c'est jamais facile. Oui, mais j'ai une chance, c'est que j'aime la difficulté. Voilà, je crois qu'il faut aimer la difficulté pour être qui je suis. Mais par rapport à mon père, je suis en train de le dépasser. Donc, longtemps, ce nom a été un fardeau à porter. Mais c'était parce que... Un fardeau en quoi? Parce qu'il y a beaucoup de préjugés. Il faut, quand on est, quand on a un part contre celui-là, il y a toujours la comparaison qui est faite. Et on pense que tous les efforts que vous faites, tout ce que vous pouvez accomplir dans votre vie, c'est parce qu'il est à cause de lui ou c'est parce que vous avez son nom. Donc votre propre valeur n'est jamais vraiment reconnue. Mais là, je suis en train de dépasser ça. J'ai plus de 40 ans maintenant. Donc je pense que je suis en train de... je sais que je suis en train de dépasser ça. Mais je suis en train de me faire. Et je ne me pose plus tellement la question sur le regard des gens. L'avantage de la maturité, de m'être assagi, d'avoir calmé tout ces... ce feu, cette foudre qu'il y avait en moi, de mieux la contrôler. Je n'ai pas calmé, je la contrôle mieux. C'est que je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. Donc les questions externes, bon, ne m'obsède plus. Je me pense que le regard des gens ne vaut pas grand-chose. Il est là, je ne me dis pas qu'il ne me gêne pas, mais je sens passer outre. Et puis surtout, j'ai développé ma capacité d'indifférence. C'est très important. Parce qu'on ne peut pas, si vous savez, les cons sont des cons. Il y a des opinions qui n'ont... Elles peuvent être populaires, mais n'ont quasiment aucune valeur. Vous avez dit qu'il faut brûler Banjoun. Mais on sait également que votre père a été maire de Banjoun. Il est toujours maire de Banjoun. Il veut être réélu. Alors oui. Là, il y a un conflit virtuel. Vous dites qu'il faut brûler Banjoun. Pourquoi est-ce qu'il faudrait brûler Banjoun finalement? Je vais d'abord dire, c'est pas littéraire. C'est pas. Il faut prendre ça. C'est une provocation, certes. Mais il faut creuser. Quand je dis qu'il faut brûler Banjoun, c'est que je pense que Banjoun est, comme moi, défiguré. J'ai écrit un article dessus pour expliquer. Je pense que Banjoun vit dans le passé, un passé qui est fabriqué, et ce passé-là paralyse son avenir. Et les Banjounais agissent comme s'ils n'avaient pas d'avenir. Voilà. Je compare Banjoun aux misérables. À Banjoun, les Thénardier sont les rois. Il y a à Banjoun une aristocratie, des intellectuels. Mais de cela, rien, elle ne crée rien. Vous savez, que dire d'une ville qui s'abrite derrière un monsieur de 93 ans, de presque 84 ans, là je parle de mon père, en lui demandant de tout porter, alors qu'on sait que c'est impossible. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut brûler Banjoun. Si les Banjoun demandent, attendent tout le temps de Fotso qu'il fasse tout, on lui dit déjà merci. On se dit c'est normal. Et on se dit oui, il faut faire pas ça. Non. Je pense que, et je le dis, il faut brûler Banjoun parce que Banjoun ne mérite pas Fotso. Et de toutes les manières, ce n'est pas possible. Un homme ne peut pas élever un village et le mettre là. Banjoun, c'est là, désolé. Et les Banjoun, s'ils aiment tant que ça leur truc, ils doivent contribuer. Ils doivent enfin se rappeler que bon, ils ont peut-être eu un passé qui était, je sais pas, extraordinaire, mais ils ont un avenir. Ils ne peuvent pas avoir un passé. Et comment vous concevez l'avenir de Banjoun au final? Très sérieusement, c'est pas dans la même, je ne suis pas Banjoun. Moi, j'ai largement dépensé ça. La ville de Banjoun ne m'occupe pas. C'est au Banjoun de répondre à cette question. La lecture de mon livre leur donnera des pistes de réflexion. Parce que je pense qu'à Banjoun, comme ailleurs, il y a une régression culturelle qui fait qu'il y a une paralysie qui n'est pas acceptable. Il y a une jeunesse à Banjoun qui ne peut pas s'exprimer. C'est de cela aussi dont je parle, ça que je dis, il faut brûler Banjoun. Une sorte de revendication, quoi, d'appel à conscientisation au peuple de... Oui, bien sûr, mais je pense qu'il n'y a que les gens qui aiment... Ça, c'est un truc très camerounais.
Moi, je disais, les Camerounais sont des wastes. Ils adorent dire ouais, se plaindre. Voilà, on ne veut pas penser, on ne veut pas réfléchir, on veut hystériser, on veut être en colère. On veut dire, ah non, mais ce qu'elle a dit, nanana. On se dit pas non. Ok, si ce qu'elle dit est si con que ça, je peux lui écrire et le dire simplement. Comme ce qu'elle dit est con, je pourrais la démonter très facilement, sans l'insulter et sans lui cracher dessus. On sait que vous avez écrit ce livre également en ayant un regard dans la société camerounaise, parce que vous évoquez plusieurs thèmes, et parmi lesquels je vais choisir par exemple la jouissance. La jouissance, vous avez parlé de la jouissance dans ce livre. Comment vous envisagez, vous parlez, quelle est la conception que vous faites de la jouissance de la femme aujourd'hui et de cette notion de... Mais je dis dans mon livre que la jouissance reste quelque chose de masculin. Voilà. On pense que la femme ne doit jouir qu'en étant prise. Une femme qui contrôle sa jouissance, on va dire salope, pute, etc. La jouissance féminine est totalement inexistante. Et pour ça, je le redis ici, j'ai dit dans mon livre qu'au moins la moitié de la population camerounaise est mal baisée. Voilà. Donc je pense que laisser aux femmes leur accorder le droit de définir leur sexualité, leur jouissance comme elles le veulent, ça permet déjà de féminiser cette jouissance-là et de faire que le sexe, la sexualité, cesse d'être un sujet tabou. Est-ce que ça ne va pas en confrontation avec nos us et nos coutumes, un peu quelque part? Et vous voulez vous attaquer quand même à ça? Vous voulez quand même que l'on change cette symbolique? Mais absolument, les coutumes ne peuvent pas rester statiques. Tout évolue. Les bandjouns d'il y a 2 siècles ne sont pas les bandjouns de maintenant. Les bandjouns de demain, dans 2 siècles, ne seront pas les bandjouns. Ils vont redéfinir. On ne peut pas demander à une génération de se sacrifier pour des idéaux dans moi, je parle de Jean-François Bayard qui est un grand africaniste, qui dit, il a cette phrase que j'adore, que j'aime citer, l'invention de la tradition. Ces coutumes-là, elles ont été inventées par qui? Ce sont des inventions. On les récrée chaque fois, on les adapte à la modernité. C'est de ça dont je parle. Si les bandjouns veulent rester en 1900, dans les années, au 10e siècle, tant mieux pour eux. Mais qu'ils savent qu'il faut qu'ils sachent que c'est ce qu'ils sont en train de faire. La mode progresser ne veut pas dire, tout sacrifier, non. Ça veut dire adapter. Adapter. Une autre question également sur cette position que vous avez comme étant, sans nul doute, héritière dans ce grand patrimoine que votre père détient. En plus d'être avocate, il y a un lien entre la question de l'héritage également dans la société africaine, parce qu'elle est mal vécue. Et puis vous également, vous avez vécu beaucoup de situations, un mal-être également. Comment vous expliquez la question de l'héritage? Comment nous sommes censés régler cette situation quand nous savons que certains enfants n'ont pas les mêmes avantages que les autres? Mais je pense que ce n'est pas une question d'héritage, c'est une question de transmission. Le problème justement sur le continent africain et ailleurs, c'est qu'il y a ça des héritages, mais il n'y a pas de transmission. L'erreur de mon père, c'est qu'il a pensé que la chose la plus importante qu'il pouvait léguer à sa famille, c'était son argent. Alors que c'était sa sagesse, sa personne. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y aura ce problème-là. Si on se rend compte que non, l'argent, de cette manière, c'est banal. Ce qui est génial, c'est comment on l'obtient. Mon père, je le dis, c'est un illettré. Il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Il est parti de rien pour avoir ça. Il n'a pas hérité de l'argent qu'il a eu. Mais c'est son parcours qui fait de lui ce qu'il est, pas l'argent qu'il a. Non, l'argent aide, ça prouve quelque chose. Mais ses héritiers n'ont pas ça, parce qu'il a raté la transmission. Mais il n'est pas le seul à l'avoir fait. Il y a des gens, ça c'est un problème très africain, très contemporain, qui ne savent pas transmettre. Ils savent construire, ils savent faire beaucoup de choses, mais ils ne savent pas transmettre. Question de transmission. Vous êtes également à la tête de la Fondation FOTSO. Une fondation qui pérennise également un peu l'image et le parcours de votre père. Non, maintenant j'ai changé parce que c'est moi. Voilà, donc c'est plus lui qui est devant, c'est moi qui suis devant. C'est vous qui êtes devant. Voilà. Vous avez des objectifs également, ceux de créer une grosse toile entre les jeunes entrepreneurs. Oui. Comment est-ce que ça avance? Quels sont les... C'est très difficile parce que une fondation, c'est quelque chose de très professionnel. Il faut la porter. Donc il faut porter. Oh non, il faut avoir des partenaires. Il faut avoir des partenaires locaux et ailleurs. Le problème qu'on a eu durant ces 3 dernières années, c'est que parce que FOTSO, ça veut dire de l'argent,
tout le monde pensait qu'il fallait... Moi, je reçois des lettres tous les jours me disant que oui, j'ai bon argent, tout ça et ça. Personne n'a compris que ce qui importe, c'est de créer des liens, c'est de faire des choses ensemble. Pas tout le temps, non, de financer. Parce que je l'avoue, je n'ai pas les moyens de mon père. Mais là, c'est moi qui porte cette fondation. Et le rêve que j'ai, le rêve que je veux, que je fais, c'est de pouvoir travailler avec des gens qui ont des idées, qui vont me dire, ok, Maître Fotso, Christine Adia Fotso, nous, voilà l'idée qu'on a, comment est-ce qu'on peut avancer à travers ça? Et là, je leur apporterai mon expertise. Et on ira avec le réseau que j'ai, le réseau que mon nom me permet d'avoir, d'essayer de faire des choses. Mais je ne pense pas, et c'est aussi un des messages du livre, l'argent ne résout rien, ne fait pas tout. Il y a des choses qu'il faut penser, travailler. Et la fondation, c'est ça. C'est pas de mettre de l'argent comme ça et de distribuer comme des cadeaux de Noël en disant que c'est gratuit, si vous avez un problème, écrivez-nous. Non. On veut travailler les choses. Il y a un travail qui est fait, il y a une réflexion d'être menée. Et je n'ai pas la science infuse. Donc moi, le plus important, c'est de travailler avec des gens compétents et qui ont des idées et qui me diront voilà ce qu'on peut faire et comme ça on avancera. Les jeunes femmes en Afrique revendiquent une grande place aujourd'hui dans la mesure où elles ont la chance d'aller, d'effectuer des grands parcours universitaires et autres, mais il n'est jamais facile. Moi, je prends votre cas avec un handicap. Moi, j'aimerais savoir comment vous avez fait, d'où est-ce que vous avez puisé cette force pour réussir quand même et dire à ces jeunes filles qui vous suivront, sans nul doute, qui aimeront s'inspirer de vous, parce que pour moi, vous êtes un modèle. C'est gentil, mais je veux te dire, je ne me suis pas... Quand je suis à ma, le bon anglais, c'est at my best, quand j'arrive à faire des choses, je ne me pose pas de questions. Je m'écoute, moi. Et j'avance sans regarder. Je me pose la question de la difficulté après. Je ne me focalise pas sur les obstacles qu'il y a devant moi. Il y en a beaucoup. On me dira, oui, mais ils sont pas de l'argent. Non, c'est plus compliqué que ça. Il faut à un moment s'écouter soi-même. Ce n'est pas facile. Il y a de l'injustice. Mais c'est un message qui peut paraître niais, mais c'est plus important qu'on le croit. Il faut croire en soi. Et il faut, devant les injustices, devant les obstacles, dire non. Les contourner. Non, ça ne suffit pas. Mais c'est déjà le premier pas. Le premier pas qu'il faut faire par rapport à ça, c'est de refuser les idées reçues, quand on n'y croit pas. De dire, moi, c'est parce que telle chose et telle ça. Moi, je refuse d'ordre établi. Je ne peux pas défendre l'ordre établi. Donc, parce que je ne peux pas défendre l'ordre établi, je suis forcée de prendre des risques, de faire l'effort d'aller vers les autres et de me bousculer, de bousculer les conventions et de dire, non, je ne suis pas d'accord. Quel que soit le résultat, réussite, je ne sais pas, mais j'avance. Entre le droit et la littérature, vous avez quand même littérature. Entre le droit et la littérature. La littérature. Oui. Donc vous avez beaucoup plus ce faible pour la littérature que pour le droit. Parce que le droit est venu après. Le droit, c'est un outil de travail, c'est pas une passion. La littérature, c'est une passion. Donc je suis avant tout un écrivain. Le droit, c'est secondaire. C'est pas une passion, c'est un outil de travail. Quoi. Voilà. Pourquoi avoir choisi Bruxelles pour présenter, pour cette première présentation de... Parce que, d'une certaine manière, j'ai passé une bonne partie de mes 6 dernières années à Bruxelles. C'est là où j'ai fait mon amputation. C'est là où j'ai fait deux de mes opérations étant à Bruxelles. Il y a des gens sympas que je connais à Bruxelles. Voilà. Même si j'avoue que je ne kiffe pas Bruxelles. Mais il y a des gens sympas. En dépit de ses défauts, c'est plus humain que Paris déjà. Voilà. La satisfaction partagée quand vous avez terminé la dernière page de cet ouvrage, qui est un mélange, un condensé de beaucoup de thématiques. Oui. Vous avez ressenti quoi? J'ai adoré la jouissance. C'était jouissif. Je me suis dit, j'ai eu ce moment-là de... Le problème, c'est que ça dure pas longtemps. Mais c'est quoi? C'est la jouissance. C'était de courte durée, mais... Oui, mais on se dit, ouais, je veux revivre ça. Mais la crainte qu'on a en tant que client, c'est de se dire, est-ce que je vais pouvoir le refaire? Est-ce que je vais pouvoir réécrire un autre bouquin? Voilà. Mais c'était de la jouissance, je ne vous cache pas. C'était pas de la fierté, de la jouissance. La fierté, ça vient après. Mais de la jouissance. On est pris par un tourbillon de plaisir comme ça. Pas parce qu'on se dit que c'est la chose la plus belle qui soit. On se dit juste, j'ai fait quelque chose.
et cette chose me plaît. Est-ce qu'en écrivant, vous avez évoqué toutes les thématiques ou il y avait quand même des thématiques qui ont été mises de côté ou vous êtes dit peut-être pour un prochain ouvrage ? Non, je n'ai pas... Au regard de ce qui se passe par exemple au Cameroun, non, je ne voulais pas... je ne suis pas... je suis une intellectuelle spécifique. Des choses que je n'aime pas parler, des choses que je ne connais pas. J'ai de l'audace, mais je voulais éviter. Il y a trop de bouquins sur des gens qui disent, passez-moi l'expression, mais n'importe quoi, n'importe comment, qui s'écrivent sur ça. Moi, je me suis dit, je veux le faire autrement. Mais si vous lisez mon livre avec attention, vous comprenez ce que je pense. Mais après, ce n'est que mon opinion. Est-ce que, je le dis encore une fois, est-ce que je veux convaincre ? Non. Moi, j'aime quand on est en désaccord avec moi. Mais je ne demande pas aux gens d'être d'accord, je demande au moins de respecter mon opinion et au moins de me faire la faveur de penser que ce que je dis réfléchit. Je ne suis pas là juste pour cracher mon venin ou parce que j'ai des comptes à rendre. Non, j'ai réfléchi. Voilà. Ça peut être foudroyant, ça peut être cinglant, ça peut être... ou pour ne pas aimer, mais il y a du travail derrière ça. Ce n'est pas juste du talent à l'état brut ou de l'inspiration. Je travaille ce que je fais. Un avant-dernier mot, comment on fait pour avoir cet ouvrage ? Vous pouvez le commander sur Amazon, mais il sera bientôt disponible à Bruxelles, il sera bientôt disponible chez Filigrane. Voilà. Donc avant la fin du mois de janvier, il sera disponible chez Filigrane et à Rôle Saint-Gelais. Je le mettrai sur ma page Facebook. Et la distribution au niveau de l'Afrique, comment ça se fait ? Ah là, c'est plus compliqué. Il faut, vous savez qu'il n'y a pas de distributeur sur tout le continent. Mais on va y travailler. D'abord, je passe un appel. Tous ceux qui veulent m'aider à le distribuer sur le continent, je leur dis écrivez-moi. Je réponds toujours aux messages sur Facebook par rapport à ça. Et on le fera. Moi, je suis intéressée. Moi, je vous dis, j'irai à Kinshasa avec plaisir. Donc, c'est pas. Voilà. Je leur dirai oui, j'ai pas encore vu Kinshasa. Mais il n'est pas impossible. Quand j'arrive à Kinshasa, je dis aussi il faut brûler Kinshasa. Ce n'est pas impossible. Un appel qui est lancé au moins à ceux qui veulent bien distribuer le livre de Christelle Nadia Fotso. La perche vous est tendue et vous savez ce qu'il faut faire. Un dernier mot pour tous ceux qui vous suivront, pour tous ceux qui aiment bien vos interventions, parce que je suis vos interventions également sur les réseaux sociaux de temps en temps, vos lives, vous partagez vos ressentis. Pour ce public qui vous suit, un dernier mot. Écoutez, merci. J'ai une année difficile. Je ne prête peut-être pas trop attention aux gens qui disent du n'importe quoi, mais je suis reconnaissante à tous ceux qui font l'effort. Pas qui sont nécessairement convaincus, mais qui font l'effort de m'écouter. Donc je dis merci. Il y a des gens à qui je dois énormément. Et je leur dis je suis touchée par cela. J'écoute, voilà. En dépit de... Non, j'ai beaucoup de défauts, mais je fais l'effort d'écouter. Et quand on n'est pas d'accord avec moi, quand on l'exprime de manière... on peut être violent, on peut être cinglant, mais quand on exprime sans m'insulter, sans m'agresser, j'écoute. Et puis non, j'aime bien, moi je te redis, j'aime bien qu'on soit en désaccord avec moi. Mais je vous dis merci et tout ce que je peux vous promettre, c'est qu'on va aller de l'avant et toujours essayer de faire mieux. Les lives sont encore très bruts, il faut développer ça, tout ça. Donc merci à tout le monde, merci au Congo. J'ai découvert le Congo à Bruxelles. Donc j'aime beaucoup, même si vous savez, j'aime beaucoup la musique congolaise. Donc c'est particulier. Et puis merci et merci à vous et merci à tout le monde vraiment. Bonne année. Qu'année prochaine soit joyeuse pour tous. Voilà. Voilà, c'était son dernier mot, une façon de vous dire que vous devez vous approprier ce livre. Un très bon livre qui sera disponible, comme elle a dit, d'ici là, dans 2 semaines, ici à Bruxelles. Et pour tous les amateurs, en tout cas, tous ceux qui aiment bien lire, sur Amazon, vous pouvez l'avoir. Ça s'intitule « Défiguré ». Christelle Nadia Fotso était là avec nous pour l'émission Caféine. Nous, on vous souhaite déjà de très bonnes fêtes et on se voit à très bientôt pour un prochain numéro. À très bientôt. Au revoir.